Ce n'est qu'une comédie. On dit quoi, Japi? Écoute alors, la femme que tu vois là, c'est la femme qui est avec moi quand je n'avais même pas 5 francs. La femme de ma galère. Écoute alors l'histoire. Ha! Alors, allons-y. La femme de ma galère, c'est la femme de ma galère. On dit quoi, Japi? Nel, avec tout l'argent que tu as, tu marches encore avec le chat de fils là. Ha, dis-moi, c'est qui pour toi? Toujours les commentaires. Écoute alors, la femme que tu vois là, c'est la femme qui est avec moi quand je n'avais même pas 5 francs. La femme de ma galère. Écoute alors l'histoire. Ha! Alors, allons-y. La femme de ma galère, c'est la femme de ma galère, c'est la femme de ma galère, ma galère, ma galère, c'est la femme de ma galère, c'est la femme de ma galère, c'est la femme de ma galère, et non la femme de ta galère. Devant chez moi, il y avait une jolie demoiselle. On dirait qu'un bandeur même jury. Enchanté. Hey, c'est comment? C'est quoi? Je vais lui faire la chanson. Tu m'as respecté une personne. Enchanté, non. Ah. Bonsoir, Kimberly. Salut. Enchanté. Tu es venu à la visite? Je ne suis pas venu ici pour une visite pour toi. Ah, tu es venu pour me bouger, pour voir mon ami ici. Je suis venu ici là pour toi. Merci, oh. Comment est-ce que vous voulez une deuxième femme? Que quoi? Merci beaucoup. Ma copine pense à moi. Vous me connaissez quelque part? Tu la connais quelque part? Mais elle te dit qu'elle est venue pour moi, non? Laissez-nous dans nous, hein. C'est nous qui nous voulons nous. Tu parles de quoi? Attends, elle va t'expliquer pourquoi elle est venue, non? Mais elle est venue ici pour moi. Oui, mais attends, elle te dit. Ma chérie, avoue-le. Qu'est-ce que tu es venue chercher, quoi? Je suis pas venue ici là pour faire ça. Je suis venue ici là pour te blâmer à cause de ce que tu as fait à mon ami. Je veux quoi? Mais tu es enceinte, l'enfant de tout et tu vas abandonner. C'est qui? Tu refuses d'assumer tes responsabilités. C'est une bénédiction, hein? Une bénédiction, ses parents doivent me chercher, pour me féliciter, pour me donner le vin, je refuse. Pour me donner le tarot, le conchaf, je refuse. C'est une bénédiction. Parce que c'est pas tous les filles qui accouchent. Moi, j'ai donné la première ouverture. Tu ne connais pas les problèmes qu'elle pouvait avoir. Mais moi, avec toutes les grâces et la bénédiction que j'ai respecté les lieux, j'ai donné ma part de don pour qu'elle puisse continuer à enfanter. Pour que ses parents puissent être gracieux. Donc, il y a la grâce dans la maison. Il y a la bénédiction pour que la famille soit bénie. Ferme ta bouche, arrête de raconter les bêtises. Merde, tu as porté ta part au maman. Sa famille m'a donné le bain, hein. Il a porté ça sur ma tête. Et bah, tu es trop fertile. Ah, toi, tu es trop féconde, non? Un peu, tu as le ventre. À cause de ce que tu as fait à mon ami, c'est inadmissible que tu enceintes l'enfant de tout. Mais est-ce que c'est ce que je l'ai forcé avant de mettre? C'est un consentement. Et elle m'a prévu avant l'enfant. C'est. Voilà, maintenant ses parents l'ont mis dehors. Elle arrive ici, toi-même tu es là, tu n'as même pas où habiter. Elle n'a pas les amis. C'est son ami qui l'a enceinte. Hein? Je vais te dire une chose, toi-même tu es belle. Toi-même tu es belle. Et c'est un enfant de la chefferie. Et nos chefs, même les enfants du chef, aucun enfant n'a moins de deux femmes. Que quoi? Hein? Mon père est une femme d'ailleurs, qu'on ne croisait pas. Je suis la seule femme, je ne veux pas être deuxième femme ici. Hein. Vous êtes en train de voir les trucs de mariage là. Vous êtes encore. Au niveau de là où l'enfant est dans le ventre, tu dois gérer. Toi, tu dois la chambre. Tu parles dans l'appartement, le studio. Parce que tu ne vois que sur place, tu ne vois pas l'avenir. Tu vis où? Hein? Tu vis où? Je suis un ami. Moi, je te dis, avec tes mecs dehors, quand tu as fait des trucs là. Il est là, il n'arrive même pas à manger. Tu n'arrives même pas à manger, mais c'est toi qui veux deux femmes. Je te dis, c'est moi qui. Je m'occupe des deux. Donc, tu t'occupes des deux.
Comme tu as occupé de. Et toi, mais c'est fait le fou français, tu peux pas comprendre. Moi non, je travaille. Hein. Où est-ce que c'est chaque jour je sors à la maison. Mais il ne sort jamais, mais il cherche au travail plus que celui qui sort même. Arrête-moi ça. Tu sais quoi hein? Je suis venue pour que tu me donnes ta parole, que tu dois assumer cette grossesse. Tu dois aussi prendre soin de mon âme. Regarde, l'enfant est belle. Regarde, elle est belle. Tu vas abandonner la fille ici. Elle a fané. Elle a enseigné la fané. Et moi, j'ai toujours dit que Mel Will. Tous ses amis sont brunes. Hein? Tais-toi. Tu vas être responsable quand? Non, mais elle est noire. C'est vrai que tu m'as rencontrée. Elle est brune. Elle a fané à cause de toi, non? C'est pas toi. Toi, tu es brune pourquoi? Elle est brune. Mais je suis brune parce qu'elle fait un jour ensemble, non? Tu vois ce que je disais? On avait discuté de ça, non? Tu vois qu'elle est Mel Will. Tous les maisons bonnes, tu dis que non, ils ne mettent pas lui, c'est l'être naturel, tu vois. Mais ils goûtent un peu, tu vois, là c'est le même. Oh non, ne voyons pas le sang. Oh, tu vois ce nom aux copines que. Mais ça s'achète, non, est-ce qu'on ramasse ça? Tu dois l'acheter, le jean sang pour qu'elle mette sur lui. C'est 25 000. Même le mignanga, il m'a jamais acheté. Même le mignanga, il m'a jamais acheté. Pour l'instant, il ne travaille pas, il ne fout rien, il ne fout rien de toutes ses journées. Lui, c'est lui le. Pardon, arrête-moi ça, donne-moi ta parole que tu dois prendre soin de cette grossesse. Tu dois t'occuper de mon ami comme elle était dès le départ. Et c'est pas un problème, c'est que tu veux que je remets. On part à l'hôtel où on a commencé. Parce que la tête est tournée. Si on commence ici, on va finir ici. On va commencer à Bagata, aller finir en Tcham. On repart à l'hôtel qu'on a commencé. Et je remets à l'intérieur. Et je reprends tout ce qu'il y avait versé à l'intérieur. Donc on refait l'action. C'est comment? Quoi? Tu racontes moi comme ça là? Arrête ça, tu es en train de faire chauffer mon sang, je t'ai dit ça. Tais-toi, je chauffe quoi? C'est que je chauffe sur le bouillon. Ah, moi j'avais une chose. Hein. Tu es venu ici parler. Avec ton cœur maternel, on t'a compris. Tu arrives, c'est tout comme ça que les femmes sont. Tu arrives, tu écoutes sa version. Ma version, tu écoutes, non. Tu sais comment elle vit, non. Tu sais d'où elle sort. Tu tousses, mais tu tousses. Pour brûler ce qu'elle dit. Quand la vérité sort, tu tousses. Tousses. Il y a quoi? Mais, que t'es une crèche, viens, donc un des. Qu'un possiément tombe sur moi, il veut cracher ton visage. Tout toujours non. Moi, je viens d'abord d'une famille. Une famille qui. Bon, on n'était pas très riche en tant que tel. Mes parents m'ont laissé. Ils sont morts. Je suis allé vivre chez mon oncle qui voulait prendre soin de moi. Alors, chez mon oncle, il m'a mis à la porte. Je suis allé chez mon ami ici, il a pris soin de moi, ne refuse pas. Mais il me donnait madame de baigner. Que je vais vivre comment? Oh, tu arrives, tu veux que je te soucie ton ami. Mais tiens, tu ne te soucies pas. Comme c'est tu as couché, non? Tu veux qu'on prenne soin? Ok. Moi, il me désengage. Mais tu vas coucher. Accouche pas de poser à l'autre. Il va venir chercher l'enfant là. Va laisser la balle à l'orphelinat. C'est pas qu'il refuse pas la lettre. Il refuse pas la lettre. Il refuse pas la lettre. Il refuse pas la lettre. C'est un comédien. Il va pas s'équiper. En plus, il est même lâche. Pas, ne reviens plus. C'est comme ça, ne t'inquiète pas. C'est comme ça qu'il est. Il est idiot, ne t'inquiète pas. Pas acheter. Shadow Pro. J'étais allé Trinitario Spot. Tu es très comique. Boko Este Mami Nyanga. Ça c'est la team des Cusco Meji. Après ne dites pas que j'ai fait le sang. Je n'ai pas chanté vos noms. J'ai tout cité ici ha. Alain Desemba.